Saviez-vous que le Canada produit 6 milliards d'œufs tous les ans? Vous savez peut-être que les pommes McIntosh sont canadiennes d'origine, mais vous ignorez peut-être que nous avons également inventé l'huile de canola et le beurre d'arachide. Les aliments jouent un grand rôle au Canada et beaucoup de gens interviennent avant que vous ne puissiez les consommer. Environ 250 000 personnes travaillent dans l'industrie canadienne des aliments et des boissons et le secteur est constamment à la recherche de nouveaux talents afin de répondre à la demande croissante. La plupart des aliments que nous consommons ont été transformés d'une manière ou d'une autre. Les matières premières sont lavées, testées et transformées en aliments ou en boissons de consommation courante. Certains produits alimentaires sont commercialisés tels quels, alors que d'autres sont vendus comme ingrédients et sont de nouveau transformés. La transformation des aliments et des boissons compte pour beaucoup dans l'économie du Canada. Elle y contribue en fait près de 100 milliards de dollars par an, plus que le PIB national de la plupart des pays. L'industrie compte plusieurs sous-secteurs. La viande est le plus important. La production annuelle de bœuf s'établit à plus de 3,4 milliards de livres, soit l'équivalent du poids de plus de 7 grands paquebots de croisière. Et notre secteur de produits laitiers offre plus de 665 différents types de fromages. Vous avez besoin d'un breuvage pour arroser tout ça? Que diriez-vous d'environ 2 milliards de litres de bière produits annuellement par notre secteur des boissons? Nous pourrions remplir 800 piscines olympiques. Vous aimez les sucreries? Pourquoi ne pas devenir maître chocolatier ou encore trieur et emballeur de bonbons? Si la nutrition et les recettes vous intéressent, vous pourriez aider à adapter des formules spéciales pour créer des produits plus sains pour les Canadiens. Quelques 6500 établissements de transformation produisent 75% de tous les produits alimentaires et boissons consommés au Canada. On y trouve des entreprises de tailles diverses, depuis de petites entreprises familiales à de grandes usines de fabrication. Certaines entreprises embauchent des aromaticiens pour créer de nouveaux produits succulents, comme du bacon de tofu ou encore des boissons alcoolisées à saveur de barbe à papa. D'autres entreprises embauchent des scientifiques, des mécaniciens et des ingénieurs pour faire de la recherche, créer de nouveaux produits plus sains et développer des techniques de réduction de coûts à l'aide de l'équipement le plus sophistiqué au monde. La main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et boissons est diversifiée et accueille depuis longtemps les nouveaux Canadiens. Que ce soit pour une saison ou pour la vie, plus de 25 % de la main-d'œuvre de notre industrie de la transformation des aliments est constituée d'immigrants. Vous connaissez la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faut faire pour exporter 17 millions de dollars de vin en Chine? Ou encore 80 % de l'approvisionnement mondial en sirop d'érable? Ou encore, les 670 000 tonnes de blé que nous exportons en Italie tous les ans? Cela suffirait à remplir la moitié du Colisée de Rome. Le Canada exporte des aliments transformés dans plus de 190 pays. Nous sommes reconnus dans le monde comme producteurs d'aliments salubres de très grande qualité. Les transformateurs d'aliments du Canada savent que ce qu'ils font touche la vie de millions de personnes. Ils consomment eux-mêmes ce que vous consommez et ils travaillent sans relâche pour assurer la fraîcheur, la salubrité et la fiabilité de nos aliments. En utilisant de bonnes techniques de lavage de mains, en portant de l'équipement de protection, en veillant à ce que le milieu de travail soit propre et en utilisant des procédés de tests rigoureux. Les bonnes pratiques, l'innovation et la réglementation gouvernementale font en sorte que l'industrie se concentre davantage sur la prévention des incidents de salubrité alimentaire que sur leur gestion. La transformation des aliments est un moteur important, innovateur et fiable de l'économie canadienne. Et c'est une industrie sur laquelle nous pouvons compter jour après jour. Avec essentiellement des milliers de perspectives d'emploi et une renommée de salaires équitables, d'avantages sociaux solides et de conditions de travail sécuritaires, l'industrie canadienne des aliments représente un cheminement de carrière pour la vie. Visitez le fphrc.com pour découvrir comment vous aussi pouvez en faire partie.